petit Martin. Bonjour ma petite Martine. Ça y est, hein, c'est la fin de l'été le plus pourri de toute l'histoire de l'humanité, je pense. Hein. Il a fait gris, froid, il a plu, encore plu, il a beaucoup plu. Hein. Mm-hmm. J'en ai eu jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux. Il n'y a plus un cul. Donc pour résumer, on vient d'enchaîner pandémie mondiale avec un été de merde. Autant dire que j'ai envie de m'enfiler un poteau dans les yeux. Hein. Voilà, juste pour voir s'il me reste des larmes, pour pleurer. En plus, je me suis réveillée ce matin avec la voix de Stallone dans Rocky 4. J'avais les cordes vocales aussi épaisses que des putains de saucisses de campagne, les amis. Ça va, là, ça va un peu mieux. Sinon, sur une note un petit peu plus joyeuse, quand même, j'ai reçu il y a quelques jours des photos de mariage avec ma famille, avec mon mari Dan, que j'ai d'ailleurs fait développer avec l'application Lalalab. Lalalab, attention, qui sponsorise, les amis. Vous l'avez vu venir, oui, vous êtes forts. Et avant de vous parler de mon idée de cette vidéo, laissez-moi vous parler brièvement de l'application Lalalab. J'ai donc fait faire des impressions sur plusieurs supports différents. J'ai même fait faire un grand cadre que je vais vous montrer juste après. Alors Lalalab permet tout simplement de faire développer en fait des photos sur plusieurs supports différents. Et ça aussi dans plusieurs formats, que ce soit du tirage classique, des posters, des manières ou des magnettes. Je sais même pas comment on le prononce. Si manière ou magnette, fais-le moi savoir en commentaire. Des toiles aussi, et plus encore les amis. Juste après les avoir soit un petit peu retouchées avec des filtres couleurs, ou même personnalisées, franchement, ça c'est si tu le désires. Et tout ça à travers l'application elle-même. Donc c'est vraiment super simple d'utilisation. Alors tu peux exporter en fait ta photo depuis ton album dans ton téléphone, ou depuis ton Facebook, ton Instagram, et même attention, Dropbox les amis. Et si tu vois que tu as la peau d'une hyène rachitique, et que ta photo est aussi lumineuse qu'un trou, tu peux tout simplement décider de modifier tout ça pour tenter de ressembler à quelque chose grâce à des filtres et autres options de cadrage. En gros, c'est hyper simple, c'est super rapide et comme j'ai la patience d'un enfant de 4 ans, ça me convient parfaitement. Une fois que t'as choisi tes photos, t'as fait tes modifs, t'as choisi ton format et que t'as validé ta commande, il te l'envoie sous quelques jours à peine chez toi ou en point relais ma gueule. Au passage, ils impriment quand même plus de 150 000 photos par jour. Ce sont pas leur coup d'essai, hein, ces petits sagouins. L'application est bien évidemment gratuite les amis, aussi bien sur Apple que sur Android. Mais laissez-moi vous montrer mes petits tirages. J'ai fait des petits tirages photo cabine. J'adore. Oui, on est parti sur du noir et blanc. Ouais. Regardez comment elle est beau. J'ai envie de pleurer. Regardez Jill comme elle est mignonne, comme elle est heureuse de signer mon contrat de mariage. Alors là, nous avons quelques photos également prises en Italie quelques jours avant le drame, avant de devoir rentrer suite à des inondations absolument atroces au sein de notre domicile fixe. Moi qui montre fièrement mon diamant brut autour du doigt. Ma maman qui est beaucoup trop belle. La fille de mon frère. La fille du frère de Dan. J'ai également fait faire quelques box. J'adore les tirages vintage, c'est tellement tellement chouette. On est vraiment sur des tirages à l'ancienne avec une belle brillance. Oh là là, regardez comme je fais la bonasse. Ça change hein. Moi, après avoir pleuré après le discours de Jill, j'ai également fait faire un petit livre, c'est le livre Summer Edition, pareil, toujours avec une impression hyper quali. J'adore. Non mais regardez, c'est trop cute. Oh là là, j'adore. Franchement, imprimez vos souvenirs, c'est hyper important. C'est sympa Instagram et tout hein, mais imprimez vos putains de souvenirs à l'ancienne frère. J'ai également fait des tirages un petit peu plus classiques, vraiment sans bordure. Il y a quelques photos que j'ai mis en noir et blanc. Ça, c'est vraiment une photo typique. Moi qui demande à mon mari d'avoir l'air mystérieux. Regarde au loin, mon cœur. Ça marche à tous les coups. Et alors, j'ai fait une mini box. Ça, j'aime trop pour mettre dans le portefeuille. Voilà, c'est des petites photos que j'aime bien donner. Alors, par exemple, ça, ma maman pour voilà, petits souvenirs. Des petites photos comme ça, faciles à emporter ou à mettre dans son petit portefeuille ou dans un agenda. Enfin, voilà, moi j'adore. I fucking love it. Et alors, attention, la pièce de résistance, les amis. Oh là là, regardez. Regardez comme on est beau. L'impression est tellement belle. Oh là là, j'adore. Ça arrivait parfaitement en un morceau, il n'y a rien qui est cassé. J'ai choisi vraiment un cadre un peu plus clair. J'avais pas envie de faire du noir, mat ou brillant. J'avais vraiment envie d'avoir un truc plus cute, un petit peu plus, plus simple, j'ai envie de dire, avec un bois clair comme ça. C'est très joli, mais c'est vraiment super grand. J'adore cette photo. Oh, je l'adore. Qu'est-ce qu'on est beau, putain! Donc, franchement, je vous invite tout bonnement à tester l'application Lalalab. Vous retrouverez bien évidemment le lien vers l'application Lalalab dans la barre d'infos. Et évidemment, bande de chouins, évidemment. Je ne vous laisse pas sans un petit code promo des familles. Avec le code GAEL30, offre aux nouveaux comme aux anciens utilisateurs sans aucun minimum d'achat. Ça, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à imprimer vos jolies petites gueules et à les taper sur le frigo de votre mère. Bon, mon idée, je disais donc, ce matin, les amis, je me suis réveillée. Toujours comme je vous expliquais avec la voix de Jean Reno, dans Léon. J'adore ce film. Et en matant les photos, du coup, fraîchement reçues de la part de Lalalab, et en voyant celle de mon cher et tendre mari, qui me supporte désormais pour le meilleur, pour le pire, mais surtout, surtout pour le pire, et le pire du pire. Et là, je me suis rappelée qu'un jour, je l'ai maquillée et transformée en femme presque bonne, presque sexy, rappel en image. Putain, on va aller draguer ensemble ce soir. Oui, on va aller en boîte. Et rien payer. Oh là là. Voilà, ça c'est bien chaud. That's my girl.
moi quand je... Ah, ne parle surtout pas quand je te vois du liquid lipstick. Et je me suis en fait tout simplement demandé ce que moi je donnerais si je me transformais en homme. Une Martine, avec une énorme paire de couilles. Finalement, c'est ce que je suis déjà un peu aujourd'hui. Hein. On va donc tenter, les amis, pas un simple tuto, non. On va faire du transforming. Et transformer Martine en Martin, les amis. Étape par étape. En se basant tout bonnement sur les photos du plus bel homme du monde. Non, pas lui, non. Non plus. Non, non, pas lui non plus. Ah, encore moins. Lui, mais oui, mon mari. Bien sûr qu'on va l'appeler à la fin pour lui faire la surprise. J'ai vraiment envie de voir sa tronche une fois qu'il va me découvrir en lui. Conchita Wurst n'a qu'à bien se tenir. Mais attention les amis, on ne va pas pâcler le travail. Pour ça, je vais faire appel à la seule, l'unique, ma maquilleuse, Sarah. Faire un transforming, c'est tout un art. Je n'ai pas les capacités. Je ne peux pas dire que je sais faire du drag king, loin de là. J'appelle Sarah aujourd'hui pour m'aider dans cette lourde tâche. Et comme à mon habitude, elle va bien évidemment sortir de mon cul. Allez. Waouh! Incroyable! Ces effets de plus en plus fous, n'est-ce pas? Je vous présente donc la seule, l'unique, la dame aux cheveux rouges. Vous l'avez peut-être déjà aperçu dans la vidéo de Joyka. T'étais venue donner ton avis sur cette. D'ailleurs, je savais pas que ça filmait. En fait, je suis arrivée en mode. C'est dégueulasse. Sur cette superbe robe. Vraiment? Une robe de qualité, qualité. Une robe de qualité qualitative, exactement. Du coup, Sarah me maquille depuis un petit temps maintenant. Ça fait combien de temps que tu bosses pour Martine? Plus d'un? Ça va faire un an, je pense. Ça va faire un an. Putain, le temps il passe trop vite, meuf. Et on en a fait des choses depuis un an. Donc tu vas me transformer. Tu sais que je suis excitée de ouf, meuf. Hein. On est insupportable. Insupportable. C'est quoi la première phase? Oh, là, t'as pris plein de trucs avec. Mais prends, regardez les amis, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et alors ça, tu vas me faire une moustache à la Obélix ou quoi? Ah, et alors ça, elle est arrivée. Ouais, mais franchement, je sais pas si je vais t'aimes pas. Ouais. Parce que je l'ai essayé sur moi, je n'étais pas convaincue. America first. Et donc la première étape, je vais quand même te mettre une petite foundation, petit fond de teint MAC, Face and Body, en teinte C2. Gardez bois comme ça lui fait à ta frais. Gardez ça. En plus, tu utilises jamais ça dans tes vidéos. Non. Bon, MAC non. Mais pourquoi? C'est un fond de teint qui ne fait pas un effet kéki. Ben non, c'est un peu un but. Ouais. Donc si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui fait pas effet kéki, franchement, Face and Body, on est là. Bah sauf si t'as la peau méga grasse, il est hyper satiné, tu vois, vraiment. Mais quand t'as la peau sèche... T'es un gâteau sec. T'es un raisin. Non, pas un raisin. Un raisin sec. Ah oui, c'est vrai. J'ai tellement hâte de voir Dan, sa tête, quand il va monter après. J'ai pas signé pour ça, moi. Oh, le pauvre. Eh, il m'a épousé pour le verre et pour le pire, surtout le pire. Comment tu te sens, Sarah, en ce moment? Ça va très bien. On passe sur pas mal de projets avec Tamour ici présente. Et c'est assez incroyable. Fatigant. Ouais, c'est dur, hein, meuf. On est un peu au bout de nos... Avec... On est au bout du bout. Avec hein. Giordano, hier on se disait. Giordano qui est mon coiffeur. On se remet pas de la semaine de... qu'on a eu. J'en ai encore en mode. Mais si on comprend pas, fatigue, on ne dort pas bien, ça n'a aucun sens. Non, parce qu'on est fatigué, mais on n'arrive pas à récupérer. Moi, j'ai aucun sommeil réparateur en ce moment, c'est une catastrophe. Et je pense que toi, c'est pas mieux, n'est-ce pas? Non. Alors, maintenant que la base est faite, on va reshape the face. On part sur du carré, quoi. C'est quand même dur, j'ai un visage assez fin, assez pointu. Oui, après, c'est pas pour autant que. Justement, t'as. Ouais. C'est carré, ouais. Tu vois, je veux dire ou pas. La mâchoire elle est carrée, donc c'est bon. T'as vu, j'ai des trous, hein, merci, hein, les perruques. Mais non. Si, j'ai un petit trou ici. C'est à cause de ça? Ouais, ça m'a un peu arraché des cheveux. C'est dégueulasse. Ouais, bah mettre une perruque par jour pendant 7 jours, voilà. On a des trous. C'est la vie de chien que tu as décidé de mener. C'est vrai. Montre-moi un petit peu ton visage. Là, on est sur du Fenty. Je vais mélanger plusieurs teintes de manière à ce que ça fasse naturel. Ok. Mais donc là, on vous fait un petit front carré des familles. Je pense que j'ai même carrément délimité. Tu vois, les hommes ils ont souvent oui. Edges, oui. Flick. Yes. Et je pense que je vais faire ça aussi, ça sera encore plus genre barber. C'est cela. Alors là on va faire tout ce que tu aimes pas, c'est-à-dire les yeux qui tombent. Quelle horreur. Mon dieu, ça va pas être très compliqué de toute façon, j'aime. Accentuer. Les cernes. Oui, et puis la forme Tom Bond. Ouais, vraiment, c'est gay, hein. J'adore ce pays, j'aime beaucoup. Après une pandémie mondiale, un peu de pluie, pourquoi pas. Et ça repart. Et c'est bientôt Noël. Pourquoi tu es si heureuse qu'il fasse moche? C'est vrai, dès que je pense à Noël, je suis heureuse. J'ai tellement hâte, meuf, de pouvoir tout redécorer ici, ça va être fou. Je rentre déjà dans mon personnage. Eh, ça va les filles? Hein? Allez, monte ta culotte. Je suis sûre que j'aurais été un bel homme. Ah oui, c'est sûr, mais un gros FDP aussi. Ah, j'aurais été un gros. Je suis sûre. Ouais, putain. Je suis sûre. Ou peut-être pas. Mais si. Si. Mais... En mode, c'est un petit charreau, mais en même temps, lover et tout. Oh ouais, mais... ouais, charreau.
tout ce que je déteste, quoi. J'ai arrêté tout ce que je déteste. Étape très importante, les amis, le sourcil. Et t'as vu, je suis déjà en train de devenir un mec. Et l'attitude fait beaucoup, attention. Ouais. Tu vas voir après ton jeu d'acteur, là. Tu vois dans tous les... C'est ça, en fait, tu les fais un peu flop. De toute façon, je vais en rajouter, hein. Ça va en foutre. Ah, ça va être dingue. Les sourcils sont faits, on passe au... C'est quoi, là? Tu fais le contour du nez, en fait. Ouais, genre justement tes yeux et le contour. Ça commence déjà, je commence vraiment déjà à voir... Bonjour. Une belle évolution. Dans sa voiture tionnée, il arrive. Où est-ce que tu as appris à rendre un visage un peu plus masculin? C'est un truc qu'on apprend à l'école. On apprend les bases, mais franchement... Rien de mieux qu'un bon vieux tuto YouTube, hein. Ouais, j'aime bien apprendre par moi-même, franchement. C'est la base, quoi. Et pour tout. Ouais, c'est vrai. Et je vois un peu la différence. C'est qui ton exemple dans le make-up? Genre l'artiste où tu dis waouh. Waouh. Mais je pense que t'avais déjà dit, tu vois, Nikki Makeup. Ouais, mais ouais. Sur Insta. Ouais. Elle est incroyable, je te dis. Ouais. Elle a tout compris, quoi, même au niveau du marketing, c'est fou, tu vois. C'est vraiment une make-up artiste qui se donne une visibilité de ouf. Au niveau skills, elle est trop forte. Franchement. J'admire. Que sinon, de base, les make-up artistes, les vrais make-up artistes qui travaillent dans l'industrie, ils sont un peu quand même en retrait, tu vois. C'est plus genre les beauty gurus et tout qui font les tutos make-up, toi-même, tu sais. Et elle est vraiment venue en mode. Watch me. J'adore. Et toi, c'est qui ton make-up artiste d'amour? Arabic. Je fun. Mais c'est faux. Non, c'est pas vrai. Moi, j'adore ce que tu fais. J'ai entendu ce qu'elle a dit. Non, c'est pas vrai. Ah, mais tu confirmes que c'est pas vrai. Non, tu dis c'est pas vrai. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est quoi ce dialogue de sourd? Mais oui, mais non, je le pense vraiment. J'aime bien ce qu'elle dit. Plein de kills. Là, je vais faire un peu des cheekbones plus masculines, mais ouais. Je pense que de toute manière, avec la beubare, ouais, ça va couvrir, mais c'est juste pour avoir the shape. Je veux me trouver ignoble. Mais non. Mais c'est pour le bien de l'humanité. C'est le bouton stop. Stop. Ah, les petits carambolés en voiture, c'était... Ouais, vraiment... L'Islande, c'était quand même quelque chose. Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien. Ah, on était si bien. Puis on était un peu moins bien pendant le shooting quand même, hein, du 10 degrés à poil, un vrai plaisir. Mais ah, c'était la seule qui était pas bien. C'est vrai. Vous étiez bien. Nous on avait chaud. Avec les oiseaux de la mort également, on était un peu Ah, on doit vous raconter quelque chose. Ah, quelle horreur. Mais quel enfer. Donc il y a une partie de l'île, donc en Islande, où à une certaine période, forcément, il y a des bébés mouettes. Oui, qui naissent. Et elles grandissent au sein d'une grande colline. Et puis à un moment donné... C'est quoi ça? Ah merde, ton merde, j'espère que t'es pas cassée. Elle est cassée. Si elle est cassée, je le vois. Je ne reviendrai plus. Oh non. Oh, j'aime tellement cette poudre et cette inhibition mimi. Ah putain, Sarah, qu'est-ce que t'as fait? C'est toi. Oh non. Je ne reviendrai plus. Et donc ces pauvres petites mouettes, une fois assez grandes, descendent de la falaise, mais elles ne savent pas encore très très bien voler, et donc elles s'avancent petit à petit. Et en fait, ce qu'elles font généralement, c'est elles se posent en fait dans les rivières pour les amener vers la mer. Et le problème, c'est que la nuit, comme forcément les petites mouettes ne voient pas hyper hyper bien, elles ne comprennent pas exactement leur environnement encore à ce jeune âge, elles vont se poser sur les routes la nuit, pensant que ce sont des rivières, et en fait, comme elles savent pas bien voler, même les voitures qui approchent, elles ne savent pas s'envoler assez rapidement, elles se font écrabouiller, quoi. Et donc on a vu des milliers de mouettes mortes. C'était horrible. Certaines encore à moitié vivantes, on en a pris, on les a mis sur le côté, enfin c'était horrible. Franchement, moi, ça pendant une heure et demie de nuit de route, enfin c'était horrible. J'avais des nausées, frère. Ouais, c'était atroce. Ça c'était un peu moins cool par contre, hein. On n'a pas trop Mais même la journée en plus en soi. Ouais. C'est juste que la nuit c'est encore plus impressionnant. Enfin, on était fatigué. À une heure du matin, on va devoir regarder comme ça. Ouais. Et donc tu vas prendre, on appelle ça de la crêpe en fait. Oui, en fait c'est comme de la laine quoi, tu vois. T'es attaché comme ça, puis tu tires et tu viens juste. Ça c'est génial. Une aubaine. J'adore. Et donc en effet, après tu me fais la barbe que tu veux quoi. Faut d'abord le mélanger un peu. Hein. Évidemment. Tu prends comme ça. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez. Vous tirez. Parce qu'il faut pas justement. Il faut garder en fait, tu vois, cette base. Parce qu'on on la colle comme ça, genre, tu vois. Et en fait, ça c'est. Quand ça vient direct du truc, c'est hyper ondulé. Et moi je les ai mis un peu dans l'eau tiède. Et je les ai laissés sécher. Et donc ils sont beaucoup plus. Ah oui. On peut utiliser plutôt ceux-là, je pense. Je vois. Pour faire un petit cycle. Un lion, un bon. La fouine. Elle a pris 20 piges, piges. La foune. Putain, j'adore. Ça en vrai, juste en. Et on dirait quand tu t'es rasé les cheveux que t'avais. On dirait ta coupe de à l'ancienne, non? On dirait. C'est vrai? Ah, c'est horrible. On dirait Jacouille. Jacouille a pris poune. Jour, nuit. Du coup, cette vidéo,
au moment où je la tourne. Donc elle va sortir dans 4 jours, dimanche. Puis il y a une autre vidéo qui suivra juste derrière le dimanche prochain. Vidéo que j'ai tellement hâte de vous tourner. Ce sera avec Jill. Vidéo où j'ai envie de vous parler de mes expériences paranormales. J'adore ce genre de contenu. Je suis très très fan de vidéos chasse aux fantômes, expériences paranormales, etc. Et on va pouvoir tourner dans son tout nouveau décor. Ça va être trop chouette. Ça, je vous balance donc semaine prochaine. Et puis après ça, je vous sors une vidéo Palais Trivial. Toi-même, tu sais. Moi-même, je sais. Ça va être fou. Je ressemble à Sébastien le crabe. Sous l'océan. J'arrive vraiment à me rendre tellement laide. Qu'est-ce que je suis laide. Mais t'es si belle, alors le contraste est assez intense. Je tiens aussi à vous remercier avec cette superbe tête pour tout l'amour que vous avez porté à la palette Chouinbeuse qui se vend comme des petits pains. Oh, ça fait de plus en plus mec là. Avec les cheveux comme ça, c'est mieux. Oh, salut les meufs, ça sent la moule. Quelle horreur. Ou alors la fameuse phrase qu'on a tout entendu, toute notre jeunesse, hein, quand on était jeune et fraîche. Ah, t'as pas un petit 06? Un petit 04? Non, t'as pas, ça va. Un classique. Un classique, celui-là, on l'adore. Qui se retourne, hein? C'est un peu la question qu'on se pose. Messieurs, arrêtez de faire ça. Personne n'a envie de se retourner. Je pense que ça doit fonctionner puisqu'il n'arrête pas. Pas possible. Qui un jour se dit, mais le voici. Oh mon dieu, mon prince charmant. Mon prince charmant, voici mon 06. Continue à mal me parler, j'adore ça. J'adore quand tu me fais des grosses chiennes. Mesdames, on appelle des rushs des photos meufs. Incroyable. Les photos aussi, t'es en mode... Ouais, c'est bon. Malgré la fatigue. Sous l'océan. À 6h du mat. Horrible. C'était une première pour moi, ça, quand même, hein, de faire une séance photo beauté à 6h du matin. Ouais, il est un peu de travers, là, du coup. Hein. Un peu à la Depardieu, là. Il manque plus qu'un bon verre de rouge. On a rajouté de l'ombre, même ici. Ouais, pardon. Faire la base de la barbe. Oh là là, on dirait une petite souris. Et tu vois là le contraste avec l'highlight, avec tes lampes, il est encore plus trash. Je pensais que t'es morte alors qu'en vrai il est pas trash. En vrai, ça va. J'ai l'air gonflé, hein. Tu ressembles à une petite souris. Oui, mais tu vas voir après avec la barbe. Ça va être fou. C'est dingue. Mais tu vas quand même faire une barbe courte. Oui, mais en fait, le sale truc, c'est qu'avec ça, je vais te montrer, tu colles, tu les éparpilles comme ça. Ah, je vois. Et en fait, tu mets en différents niveaux et après, tu la tailles comme tu veux, quoi. Donc je vois. Tu comprends? Je comprends. Putain, on dirait le chanteur de System of a Down. The toxicity of city, our city. Bien. Donc, on va rajouter des sourcils. Ouais, mais vraiment pas beaucoup parce que... Ouais. Pas beaucoup. Horrible. Putain, chatouille à mort. Oh, les pauvres qui doivent filmer avec ça sur la gueule pendant 12 heures. Horrible. Salut mes petits culs. Les sourcils, c'est fait à bure. Écoute bien, maintenant on passe à la barbe. On est là. Fuck my wife. Fuck my wife. My wife. Elle est déjà dans le perso. Tu vois, il lui faut une barbe, mais pas. Petite barbe, pas trop grosse, tu vois. Bon, là c'est normal, ça va être très loin, tu sais. Je te doute bien. Attends. Oh, excuse-moi, je veux pas vous regarder. Pour des shapes, on va commencer comme ça. Et je raccourcirai. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Wolverine. Vraiment, tu dégages un sex-appeal discutable. Putain, c'est vrai que la pomme d'Adam que tu m'as rajouté là, c'est ouf. Hein. Déjà que j'en ai une bien prononcée, mais alors là, ignoble. Faut qu'on parle. Non, ne parle pas. Tu as la moustache qui tombe. On dirait vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Non. Tu vois, Tom Hardy, hein? Non, pas du tout. Plaque. On dirait super connard. Cyril. La meuf avec là un outfit et tout et c'est fini. Hein. Franchement, c'est fou. En tout cas, c'est pas évident de parler. Comment ils font pour faire des films? En fait, il faudrait que tu mettes de la wax sur la peau et puis... Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est incroyable. Putain, on dirait Justin Bieber, wesh. Je te jure, meuf. Putain, je suis trop beau gosse, hein. Meuf, on dirait Justin Bieber. Mais de ouf. Oh mon dieu. C'est dingue, hein. C'est dingue. Putain, je suis choquée, wesh. Bon alors là maintenant, tu te sens comment? T'as envie de pécho ou pas? Je te jure, je me sens trop bien. Elle est toute petite, regarde, on dirait Hamza. Non, ça c'est Hamza. Tu fais du rap. C'est incroyable, je me trouve beau gosse, on dirait mon frère. Ouais, c'est vrai. Putain, regarde ça là. Ça va les filles? Putain, c'est ouf, meuf. C'est dingue. J'ai hâte que Danouche qui voit ça en tout cas. C'est dingue. Qu'est-ce qu'une barbe ça peut faire? Mais meuf, regarde ça. Et putain, je serais trop beau gosse, wesh. Bien sûr. Oh, je suis méconnaissant. Là, tu peux aller dans la rue comme ça, tranquille et Putain, c'est incroyable. Il faut faire la réaction d'Anne. Ouais. Donc, c'est quoi ce qu'on fait? Moi, je vais me cacher. Il vient ici, tu lui demandes de s'asseoir. Et puis, on fait la réaction et je sors de là. Ok, je me cache. Non, viens, Danouchki. Ok. C'est prêt, chou? J'ai peur de voir mon mari. Ok, 3, 2, 1, let's go. Putain, c'est quoi ça? Tu me ressens?
Vas-y, fais-moi un check. Parfait. En plus, c'est vrai, il te ressemble, j'avais un peu une barbe. C'est quoi cette barbe? On est là. Oh putain, c'est trop bizarre. Alors, t'en penses quoi? C'est ouf, hein. T'as la même barbe que moi avec les trous et tout. C'est la même chose. Ouais, tu pourrais choper. Franchement, je me promène en riz comme ça, on y voit du feu, hein. Franchement, tu pourrais choper. Vous avez entendu? Je pourrais choper à fond. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est avec cette superbe gueule que je vous invite à. N'oubliez pas mon code promo pour La La Lab. Je vous invite à télécharger l'application, elle est juste ici. Merci La La Lab d'avoir sponsorisé cette vidéo qui ouais, n'a merci. Aucun sens. Là, je me trouve trop beau gosse, wesh. Ah, j'ai des poils de ouf dans la bouche, mais franchement, j'aime trop. Sarah, t'as fait un boulot de dingue. En tout cas, on ferait un beau couple, hein. Non. Ah, putain. C'est trop bizarre. C'est trop. En fait, c'est encore pire quand ouais. Je souris. Ça, c'est mon frère. C'est Xavier, wesh. Bah. Eh, je vous mets une photo de mon frère ici. On vous embrasse. C'est pas possible. Ciao. La, la, la.